Brienne le Château, Top Gear. Cette fois, je suis à pied. Je vais filmer un petit peu tout le monde. Ils ont une nouvelle machine. Alors, qu'est-ce que c'est que cette machine? Ah, c'est une belle Sauerheur moteur 1JZ de magnifique. Neuve l'auto qu'elle est. Vas-y, qu'est-ce qu'il fait là? Là, je démonte le volant pour remettre le volant droit. Comme mettre ça, le quoi. Volant droit? Ouais. En drift? Comment ouais. Tu sais en drift qu'il est droit le volant? Bah, je sais pas. Homologué, FIA. FIA, mon cul. Ah, le moteur. Le moteur, oh là, c'est le moteur. Le moteur, il est bridouillé. C'est un bridouillage. Il est bridouillé, le moteur. Une nouveauté spéciale sur cette voiture, le très important porte-gobelet. Ça rigole pas, attention en carbone. Pour votre santé, hein, 3 fruits et légumes par jour. Alors, c'est qui ici? Y a pas de nom, c'est brûleur de gomme. Pour bouffer du pneu, c'est ça qui est bon. C'est quoi la bagnole? C'est un char d'assaut. Il est beau ce pneu. Ça c'est un pneu de moto, pour voiture. Mais il en faut deux, c'est ça? Parce que sinon, c'est plus très équilibré. Moi je m'appelle Charlie, toi voilà. C'est... Joël. C'est ça, c'est la première fois qu'on vient ici. Ah ouais, avec mon 325i 36 turbo, basse pression. Voilà, voilà, c'est dur à monter ça, turbo. Quelques week-ends on va dire. C'est toi qui l'as fait? Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Il y a encore une gestion qui est pas correcte sur la voiture, mais ça va pas mal. Lui c'est sa première fois qu'il vient. Voilà. Voilà, première fois et franchement, c'est un kiff total. Franchement, je vous conseille à tous. C'est un kiff total. Il est où le turbo? C'est ça? Ouais, alors là, turbo. Ici, ici. Voilà, turbo. Ah ouais. Voilà, petit turbo. Madinchina, ouais, c'est ça. Roventa, oh, turbo Roventa. Salut, c'est Ryosuke, team Smoky Drift Team. Donc, voici ma S14 2JZ. Je roule au King of Europe en Pro 2. 2JZ GTE. J'ai un garage dans le nord-est, sur Metz. On va réouvrir un nouveau garage sur Agodange pour faire des prépas. Vas-y, on présente la team. La team aujourd'hui, de corvée, buvette, barbecue. Autre chose que des fruits de saison, non? Affirmatif, de la viande et de la viande, cuite dans sa graisse. Oh. La team, t'as le droit d'être dodo si tu veux, change ta voix au montage. Je m'appelle Lercho. C'est Recho. Tu es d'Eli, je devrais prendre le car là-bas, Erika. Je suis pilote de la team Arménie. Voilà, c'est tout, c'est bon, ça parle mon copain voilà. Déjà tout. C'est BM. C'est tout? Ouais, ouais, c'est C'est une BM, ouais, avec un moteur Peugeot. Non, 325 moteur. Bientôt il va avoir une turbo dedans. Petit turbo, après on verra. Ok, on filme la team aussi? Ouais, ouais. Il y a l'ambiance ici. Hein. Salut les gars, c'est Alex, représentant d'Alas Motors. Ça c'est notre voiture. La petite 328 qui ça va franchement bien. Ça c'est notre collègue Maxime, il est là. Là-bas on a le mécano, le Aline. Et Artyom, le gars qui s'occupe de tout ici, il est quelque part là. Nous on est l'équipe de la team Ars Motors. Ars Motors, et lui je le connais bien lui. Il y a du pneu de cramé hein. Je comprends pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il est con ce mec. On passe la 3, c'est pire. Cours de conduite. Avant l'école de pilotage, il y a l'école tout court. Ça va ou quoi? Ça roule et toi? Ça se passe? Ah, qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? Bah, tu vois bien, je suis à l'entrée de piste. Contrôle des bracelets. Bon, vas-y, à tout à l'heure. Un petit tour avec Alex. C'est une 325i, 250 chevaux. Et du coup, bah voilà, j'aime ce que je fais, c'est une passion et je le fais avec les gens que j'apprécie, mes amis, mes potos. Donc voilà, mon père, les amis. Un petit sourire ici. Voilà. Ah ouais. Et la future drifteuse de 13 ans. Et un pneu crevé. Alors est-ce qu'on gagne de la puissance avec ça? Non, mais il faut le gonfler là. Eh ben salut, on est pilote FPV avec notre matériel derrière et on fait des petites vidéos pour Michael, pour Objectif Maîtrise. On n'a pas vraiment de nom de team. Et ben il y a Flo qui est là, qui filme avec un Mavic Air. C'est
deux. Moi. Après, il y a moi qui filme avec des drones FPV, comme ça. Ça, c'est les drones qui vont très 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 vite. Et il y a Vlad qui est là-haut parce qu'il a faim, qui filme pareil avec, avec ça. C'est trop en cool, drone FPV. Putain, avec le filtre et tout, ça rigole pas. Hein. On ça essaie, rigole hein. pas. Wow, on la vache. Attends, t'as pas c'est quoi le Mavic là? Mavic R2. Il est magnifique. Là, ouais. Il est magnifique. Alors. Jordan Goubier, on fait partie de la team Hardrage TV. Bah, on est venu aujourd'hui, c'est la première fois qu'on vient à Brienne. Je pense que le circuit a l'air vraiment sympa. Et bah, on est venu avec cette poubelle. C'est un 4 cylindres. Ah ouais? Et, ouais, ouais, c'est un 4 cylindres et bah, on va voir après. Hein. On va voir ce que ça donne. Hein. François Garcia, la team Garcia, comme c'est écrit sur le t-shirt. Mon papa, Alain. On s'est lancé dans le drift il y a déjà 2 ans. On a commencé avec un petit E36 tout pourri. Là aujourd'hui on a pris le mulet, le missile, un petit 3,25 kg 46, presque tout d'origine. On a juste mis un frein à main hydraulique et puis 3 cochonneries. Bon là le pont soudé évidemment. Étonnamment elle drift assez bien sur le sec pour ses 330 000 km. Peut-être un jour viendra, il y aura peut-être le championnat avec un E36 V8. Qui est déjà à la maison. Qui est déjà dans le garage au chaud. Moi, je fais juste un truc si ça te dérange pas. Vas-y, vas-y. Non, le rebelle. Ça marche pas. D'habitude, ça marche, hein. Moi je fais ça tous les jours. Un message important. Oui, pour tous ceux qui croient qu'il faut absolument 400 chevaux pour drifter sur le sec, je vous invite vraiment à acheter un mulet comme ça. C'est vraiment parfait. Alors je vais pas dire que ça fait un brouillard de fumée, mais par contre, c'est vraiment low cost quoi. Le strict minimum. Il n'y a pas d'amortisseur réglable. Ça sent un peu le frein à main hydraulique hein, quand même là-bas. Il y a quand même un frein à main hydraulique et un pont soudé et un bout de volant. Voilà, c'est... Salut Anthony, t'es en Slip Picaro. On roule en E30, M50 turbo, environ 500 et des poussières chevaux. Les poussières elles se baladent pas souvent. Et on l'a pas passé encore au banc, faut qu'on le fasse, faut qu'on finisse encore quelques petits réglages. Donc voilà, il y a les parents qui sponsorisent une grande partie de la voiture. Donc les parents qui sont avec la carrosserie Picaro justement. Enfin, on m'appelle Michou et moi je fais la mécanique avec Anto. Bah, je l'accompagne le mieux possible sur tous les. Facebook, Instagram, Carrosserie Picaro. Ah, bah, ah oui, c'est vrai, c'est tu. Et le patron de la carrosserie. Salut, salut patron. Salut tout le monde. Ouais. Voilà. Bisous, oui. Moi, c'est Dessert Anthony. On est en famille, là. Donc, ma mère, Céline, mon père, Ludo, mon frère, Axel. Moi, c'est le copilote. On essaye de rouler le plus souvent possible. Et ben, nous, c'est 10 Garage Drift Team. Habituellement on est 2 voitures et là exceptionnellement bah, je suis tout seul parce que l'autre voiture n'a pas pu venir. C'est quoi la voilà. Merguez là? C'est une BMW E36, dedans c'est 2,5 litres d'origine, frein à main hydraulique, c'est juste les cales de braquage grand angle avec triangle 46, des combinés filetés des deux racines, réglés aux petits oignons comme on veut. Salut les copains, moi c'est Romain, j'ai 32 ans, je fais partie de la team Objectif Maîtrise. Et ça c'est ma Nissan 350Z avec laquelle je roule de temps en temps. Elle est stock. Pas de frein à main hydraulique, rien du tout. Si, il y a un petit frein à main voilà. hydraulique. Il y a 2 sièges baquets, un frein à main hydraulique. Il n'y a pas besoin de beaucoup pour s'amuser, pour drifter. Venez nombreux, rejoignez-nous et venez vous éclater. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans ma voiture? Je testais les sièges. Ah. Confort, hein. Vous les avez achetés où? Je les ai pas achetés. Ça drift jusqu'au coucher du soleil. Donc tu vois, c'est là-bas qu'il faut que tu t'entraînes. C'est la nuit. Ça bosse la nuit. Boîte de vitesse. Ouais, salut les gars, c'est Alex, toujours moi, Ars Motors. On a eu un petit souci aujourd'hui, on a cassé l'embrayage. C'est notre copain Mike qui nous a donné un coup de main pour faire ça. Voilà, on n'avait pas la pièce avec nous, on a été chercher ça au garage, ça a pris du temps. C'est exactement ce que j'ai besoin parce que la semaine prochaine je fais pareil, tout seul. C'est bien réglé. Alex, le sauveur d'Alex, qui allait chercher ouais. L'embrayage. Combien de temps de route t'as fait aller-retour? Bah 2h15, on respecte pas. Ouais, ça fait 5h. Non, 2h4h30 de conduite. Et ouais, je suis resté 9 minutes chez RS Moteur. Et voilà, bah bravo. Ouh. Qu'est-ce que vous pensez de Ars Motorsport qui change les boîtes la nuit? Normal. Normal. Normal.
On aime bien là la nuit à bricoler sur les bagnoles. C'est bien pour l'expérience en fait, avec des gars qui connaissent vraiment le taf sur EBM. On est 11h-10 et on a fini la voiture. On va le descendre, on va l'aller essayer. Et on espère que tout va bien et demain on va rouler. Voilà, c'est tout. Bonne soirée. Toute l'équipe au complet, vas-y. Hein. Vanos Activation. Le héros. Vanos Activation. Yes, héros de guerre. Bien joué. Et ici, ça bricole un siège pour la soirée. Ah oui, il y avait la voiture là. C'est pour ça que je t'appelle, putain. Faut pas me les romper, quoi. 22h, 23h, je sais plus. On n'a pas encore mangé. Itadakimasu. Voilà les potos, ben j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui était pour vous et j'espère qu'on se revoit bientôt. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube et Facebook. Bon, moi en attendant, je continue à bricoler la E36. Allez, ciao!